what I should. Look at the way that I got you amazed. You see the look on your face. Look at the way that I bang with the bass. Look at the way that I'm running the place. Look at the way that I'm keeping the pace. You see the smoke, well look at the flames. I see the look in your eyes. It be the look of surprise. That's just a part of the game. You gotta look for the prize. Look at the way that we ain't gonna fall. Look at the way that we all gonna ride. Et re YouTube, on espère que vous êtes toujours aussi chaud. On va pouvoir entrer dans le premier match de la soirée, MHSC contre Zérance. On va le commenter ensemble. Mon cher Ota, comment ça va Ota? Ça va super, merci beaucoup. Très heureux d'être encore avec toi, le Wout. Bah écoute, ça me fait plaisir. T'as suivi un petit peu le div 2D, t'as regardé un petit peu les matchs, l'ambiance là-bas? Ouais, c'était incroyable. Franchement, c'était vraiment incroyable. Ce qui me faisait rire, c'était quand vous castez, on entendait un petit peu le retour et tout. Je sais pas si ça vous perturbait un peu. Alors, on s'entendait un petit peu effectivement nous, mais je crois que ceux qui étaient les plus perturbés, c'était les joueurs sur scène, parce qu'apparemment ils nous entendaient en direct. Ah ouais. Et ça en vrai, c'est. Ça, en vrai, c'est... Ça me rappelle les débuts de la LFL à l'époque où le match d'ouverture, enfin la soirée de match d'ouverture, on la faisait dans l'arena de Webedia. Et les joueurs nous entendaient et les joueurs s'entendaient entre eux aussi en fait dans la même salle. Et en fait, du coup, il y en avait certains qui faisaient des faux call Nash, ils criaient Nash, Nash, Nash pour bait les. Ah, c'est grave de faire ça, c'est trop grave. Des trucs de fou, des trucs de fou. Bref, on rentre dans la draft du premier match de la soirée MHSC contre Zérance. On rappelle, côté Zérance, on se bat pour la survie, pour maintenir éveillé, pour maintenir en vie le rêve de l'entrée au playoff. Côté MHSC, on se bat pour aller chercher une 13e victoire consécutive au temps. Ouais, c'est ça. Zérance qui ont 0,05% de chance de se qualifier au playoff, mais comme le dit le dicton le même, 99% fate, je crois, et 0,05% stat ou je sais plus c'était quoi. Homme de culture. Ouais, c'est pas mal. C'était avec Neymar. Enfin bon, en tout cas, du côté de Zérance, on a bien fait ses devoirs. On a vu, on a supprimé le Jhin. On sait que Excellent XLX sur le champion peut également supprimer la Jinx. Bah, c'est ça la question. Est-ce qu'on enlève la Jinx aussi? Non, c'est Wei qui va être supprimé. Alors, Jinx. Est-ce que pour autant on B1 Jinx? Je suis pas sûr, t'as Skarner qui est open. Ouais. On rappelle qu'on est toujours sur le patch 14.12, c'est-à-dire que le champion ne s'est pas encore fait détruire. Et ça B1 Jinx. Ouais, bah je pense qu'ils avaient pas le choix, parce que s'ils prenaient autre chose, ça risquait de le prendre du côté de Zérance. On sait que Vespa apprécie tout particulièrement le champion. On va évoluer sur la H en réponse de cette Jinx. T'en penses quoi du match-up direct d'ailleurs? Parce que j'avoue qu'il y a peu de réponses à Jinx en face de lane. Il y en a quelques-unes, il y a quelques picks qui peuvent fonctionner. Bon, les hard match-up type Varus, Kalista et Draven. Ah, je pense que c'est Loki un handshake. Je pense que Ash est pas non plus dans le meilleur état dans lequel elle a pu être dans l'histoire du League of Legends compétitif, et je pense que ça reste un très bon pick pour contester la lane prio. Ce qui va maintenant être très important, c'est le match-up support, et à ce sujet, côté Zérance, on peut se donner le choix du counter-pick. Ouais, clairement, à voir ce que Snake va nous cook, tout simplement. On va répondre avec la Thalia, du coup on n'a pas piqué ce Skarner, et il va être subtilisé par Montpellier. C'est une folie un peu en vrai, non? Ouais, je suis assez étonné. Thalia H over Skarner? C'est le patch où il s'est fait nerf, le champion? Non, enfin, 14.12 il prend un petit nerf, mais... Oui, c'est pas le nerf du patch live. Ouais, mais bon, ça va, le champion reste fort, quoi. Ouais, bah côté MHSC, ouais, ça continue de piquer les champions de confort. Hein. J'avais fait un point sur la façon dont ça draftait. Nautilus est quasiment omniprésent, soit Nautilus, soit Rel. On récupère encore une fois Nautilus, mais on a le counterpick support pour Zérance. Ouais, clairement. Toujours. Après, est-ce qu'il y a vraiment un counterpick qui peut vraiment pêcher ce Nautilus? Il y a Brome, on sait que ça marche très très bien, mais soit... Ashbrome, tu ressors jamais. Hein. Ah, c'est sûr. Ça pourrait être une option. Et les Skarner qu'on a mentionné logiquement récupéré ici par MHSC. 12, mon bro, qu'est-ce que tu piques dans Skarner? Est-ce que tu le piques maintenant, ta réponse, ou est-ce qu'on va chercher le support tout de suite avant de se faire ban des Brome, des Alistar, des Leona? Leona qui peut être un bon pic aussi. Ouais, d'ailleurs. De fou. Leona, ouais, clairement. Mais ça sera plutôt la vague qui va être sécurisée du côté de Seki. On sait que le perso, il est très très fort pour chercher des cibles immobiles un petit peu comme la Jinx. On a peut-être une idée en tête du côté de Zérance. En tout cas, Thalia Vi, c'est un très bon mid-jungle. Ouais. Je suis assez convaincu de la réponse. Après, du côté de Zérance, il faudra
ban tout simplement des midlaners. On sait qu'on aime bien le Yone du côté de Hydra, ce genre de choses. On peut le supprimer, bien sûr. Et la Morgana, c'est vrai. Avec peut-être aussi la Zyra. Oui, c'est vrai, de Joko, c'est vrai. C'est vrai que Zyra, en plus, dans Vi, c'est pas mal. Mm-hmm. Dans Talia H, ça l'est peut-être un petit peu moins, à voir ce que Joko va décider de pick. Mais ouais, Yone qui reste disponible et qui pourrait donner un jungle AP à Joko. On sait à quel point ça a bien fonctionné dans le retour en forme de MHSC. Leona, qu'on a mentionné, qui va être supprimée. Oui. Assez logiquement. Et côté Zerance, on a déjà quand même... On a déjà quand même un setup de fight qui est très efficace, très facile à mettre en place avec ces trois champions qui ont été lock. Ouais. Ça sera Yone du coup. Du coup, on laisse la Zyra open du côté de Zerance et on va supprimer la règle. Du coup, le Brom est disponible du côté de Snake. Est-ce que, comme tu l'as si bien dit, on va la speak le support, mais on va plutôt sécuriser le Brom en réponse. Je pense que Brom est très bien. Ouais, clairement, je suis d'accord. Je suis assez étonné même d'ailleurs qu'on n'est pas bonne du côté des MHSC. Ouais, je sais pas si Rel était plus gênante que Brom. Oh. Alors, ça marche aussi dans Nautilus. Ouais. Mais je trouve que Brom est tellement plus fort là. Ah oh ouais, Renata Glask. Ouais. C'est bien contre Jinx, c'est bien contre Bro, mais j'avoue que le Bro, moi, il me faisait un petit peu plus, plus effet. Ah, ouais. Brom, c'est... T'es Nautilus, tu mets un grab in. T'as envie de mourir. Il faut que tu gagnes ton trait parce que... Parce que c'est le seul que tu mettras en Ouais. D'accord. Ok, Renata, dans ce cas, on est probablement plus confiant. Et la Zyra que tu avais mentionné. Ouais, Zyra qui va être pick. Après, il reste encore le pick au mid. Qu'est-ce que tu peux prendre en AD? Il y a Corki qui open encore. T'as Lucian, Ezreal, Tristana. Il y a le choix. C'est vrai que j'avoue qu'elle est passée entre les mailles du filet. Ouais. Et elle va être sécurisée par Hydra. Ok. Aatrox, j'aime bien. Mort de Kaiser, ça peut être pas trop mal aussi. Aatrox, c'est pas facile, hein. Pourquoi pas? Alors dans Skarner je comprends, mais dans le reste de la draft, dans Zyra, dans Tristana, dans Jinx, va falloir être solide sur les flancs, 12-20, parce que les fights sont vraiment, vraiment pas faciles, je trouve, à piloter pour Aatrox. Maintenant c'est Zerance, on sait à quel point les confort picks sont importants, on sait à quel point la confiance est importante dans cette équipe, et je pense que faire confiance à tes joueurs sur ce qu'ils ont envie de jouer, ça peut être clé. Puisque le rêve des playoffs est toujours valable pour Zerance, il est toujours ici. Clairement, ils peuvent clairement le faire. Surtout qu'en plus, quand t'es dos au mur, où t'as très peu de chances de se qualifier aux playoffs, t'as cette chose où du côté des MHSC, t'es en mode, bon, ils ont rien à perdre, ça va être dur, ils vont prendre des pics de confort, va falloir faire attention, etc. Donc du coup, franchement, ils ont leur coup à jouer. Et mine de rien, la compo Zerance, elle est pas mal pour encaisser l'engage du côté de MHSC. Donc c'est peut-être dans cette optique-là qu'ils ont pris ce Aatrox, qui puisse sustain correctement. Parce qu'en soi, s'il cherche des flancs, ça risque d'être assez compliqué pour lui, je pense, de jeu. Comme tu l'as dit, il y a vraiment pas mal de range. Et pour le coup, c'est pas ce qui le facilite dans ces teamfights. Ouais, je suis assez d'accord sur ça. À voir si du côté de Zerance, on va avoir la sagesse, le recul, de comprendre comment bien mettre en place leur teamfight. Zerance, peut-être sur le point de faire basculer MHSC et les empêcher d'aller scorer cette 13e victoire d'affilée. Après, quand tu sais que MHSC ont gagné contre la Leona de Camilou, tu te dis, mais qui peut les arrêter? C'est vrai ça. Mais tu sais que quand vous en avez parlé, j'ai fait, mais c'est obligé qu'il aille support Camilou. Pour moi, c'était 100% sûr qu'il allait support. Ok, comme t'avais cramé pendant la draft. Oui, parce que comme Kamikaze il jouait mid, je me suis dit, ça a pas de sens de le mettre support. Tu le connaissais déjà, Kamikaze? Ouais, un peu, ouais. Ok, c'est pour ça. Mais j'étais en mode, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et en soi, c'est Léona, elle a bien marché. Bah ouais, c'est vrai, franchement. Alors, il a mouillé le maillot, il est mort beaucoup de fois. Par contre, il avait pas peur de jouer. Ah, ça c'est sûr. Et ça c'est important, quand tu joues Léona, c'est important. Donc, clairement. Bah, les premières interactions qu'on voyait au bot où il dashinait, c'était trop. C'était vraiment trop, ça se voit qu'il était pas médiquement, il était en panique. Oh, mais ça m'a mis bien. En vrai, je pense, ce qui aurait été bien, ça aurait été d'avoir le vocal à ce moment-là. Ouais, je pense aussi. Je pense que ça aurait été assez goldé. Mais bref, en vrai, Easy Dream, ils ont failli faire une dinguerie de gagner ce match avec Camilou autofil et leur coach sur la mid lane. Ouais. Easy Dream qu'on va voir jouer un petit peu plus tard aujourd'hui avec l'arrivée de Benasset, qui est un support que j'apprécie, que je respecte aussi beaucoup, un support français que je suis content de revoir en Division 2. Ce sera un peu plus tard dans la soirée, mais d'abord, on va pouvoir tranquillement rentrer dans la faille de l'invocateur. Pour le premier match de cette soirée, MHSC contre Zerance, c'est déjà l'avant-dernière soirée de saison régulière. Ce summer split qui passe extrêmement vite. On y va, on rentre dans le match et on va voir côté MHSC si on peut continuer d'écrire ce long chapitre de série de victoires. Ouais, il en reste plus que deux matchs pour 14 victoires d'affilée et je pense que ça risque d'être assez compliqué à égaler dans la Division 2 pour le coup. Déjà que 12
Ouais. C'est pas mal. C'est quand même beaucoup. Surtout que, sachant qu'ils ont commencé en 0-4, tu te dis, c'est choquant. C'est vraiment impressionnant quand ils pensent. Ils avaient commencé sur un 0-3-0-4 aussi, je crois, au Spring. Mm. Mais là, 12 victoires d'affilée, quoi. From 0-4 ou 12-4. Écoute, ils ont trouvé c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'ils ont trouvé leur formule. Exactement. De draft, ouais. La manière dont jouer, de la manipuler, et sur 12 games d'affilée, ils ont fait la même chose et indélogeable. Et là, d'ailleurs, ils y sont encore, hein, sur cette formule. Hein. Setup top, setup support, carry jungle, un mid qui peut disputer les prios, qui peut jouer aggro, et Jinx ou Jhin pour Excellent. Voilà. Le cahier des charges a été complètement respecté. Et on va voir comment on va la piloter, cette nouvelle draft pour MHSC. Starter top side pour les deux junglers. Ouais. Starter top side. On va faire le bleu du côté de Joko, le red du côté de Seki. On veut vraiment jouer autour de cette botlane parce qu'on sait que c'est un petit peu l'élément principal du côté des deux équipes. Il faut essayer de mettre Vespa devant, qui a fait une très très belle game d'ailleurs lors du Div 2D. A confirmer encore une fois de plus contre MHSC. Et du côté d'Axelent et Zaremba, ça risque d'être assez compliqué dans les premiers niveaux. Ouais, on respecte hein, d'ailleurs pour le moment, face à ce match-up double range. La vie suit son cours, hein, c'est dans l'ordre des choses. On joue le contrôle des buissons et Zaremba, Axelent, qui vont respecter le fait qu'on build un slow push. Alors, la question qui va se poser, c'est comment est-ce qu'on va jouer autour du crash, autour du bones potentiellement, avec les deux junglers qui se dirigent vers cette botlane. Ouais. Ça joue très très bien en tout cas du côté de Snake, très bien avec la vision. Honnêtement, c'est un perso que j'aime beaucoup voir jouer en support pour le coup. Ça offre pas mal de choses, plein de plays, le perso est agréable à voir jouer, surtout dans cette méta où il y a Nautilus, Rell, Leona tout simplement. C'est les trois champions qui sont omniprésents. Avoir un peu de diversité, ça fait du bien. Ouais, je suis d'accord, et surtout thématiquement il leur répond très bien à Snake de nous convaincre. Sur le champion, comme prévu, on crash la wave 3 pour Vespa et Snake. Là, on devrait mettre un petit peu de vision. Et c'est là qu'on va voir comment ils décident de jouer leur plan de jeu. Est-ce qu'ils veulent maintenir là-bas la prio bot pour sécuriser le bot scuttle pour leur jungler? Est-ce qu'ils veulent laisser le bounce back? Parce que ce qu'on n'a pas mentionné, c'est que mid, c'est Tristana dans Talia. Donc Hydra, pour le moment, a le contrôle de la lane. Ouais, clairement. Ok, Joko qui veut déclencher en force le flash de Snake. Superbe. Sur cette tentative d'encre. Joko trip. Intervention encore au niveau de la botlane. Il y a les natures, hein. Mais ça claire trop vite. Il est rentré comme dans sa maison, hein. Vraiment, il courait sur la lane comme ça et on prend un flash. Clairement. Et du côté de Seki, très intelligemment, on joue dans le fog. On a peur, hein. On sait que Joko, il a déjà terminé sa jungle, il a la prio bot, il peut se permettre d'aller attaquer le blue. Et Seki qui va être repéré par la ward, ça risque d'être sanglant dans ce bot side, mais on va plutôt reset du côté de Seki, mais il faut faire attention parce qu'il est repéré par la ward. Oh, il est venu se servir nature, Joko. Question de la vision, par contre, attention à ce PSG, qu'on s'en doutait, le route, attention, choix de focus, il faut qu'il soit bon, mais tout sur Seki pour le moment, Seki. Oh Seki, oui, il se fait intercepter par Zaremba, Seki extrêmement loin HP, est-ce qu'on peut mettre les derniers dégâts? Oh là là là. Le Raoui et le first blood va être obtenu par Joko sur Sazira. Alors Zaremba, le flash qu'il a fait, il est très très clutch là-dessus, il a empêché la retraite de Seki, ce qui a pu permettre de récupérer le kill du côté de cette Zaira. Et first blood pour MHSC qui démarre très très bien cet early game. Ouais, hyper aggro. Oh. Encore une fois de plus. Un Snake qui se fait un petit peu découper là-dessus. Et on crash quand même la wave, hein. On a un petit peu de dégâts, ouais. Ça commence très très fort pour MHSC, ça commence surtout de façon très agressive, hein. Joko qui full clear, qui gangbot, qui fait sauter un flash, qui ensuite invade, prend le blue buff et force le fight en aveugle dans le tribush. On est full confiance pour MHSC. Ouais, clairement, ça c'est vraiment une dinguerie Zaira. Un perso qui clear trop trop vite, il peut se permettre tellement de choses. Par contre, attention, du côté des MHSC, on voit un Vespa très très avancé, tentative de grab qui va être un petit peu raté du côté de Zaremba. On veut répondre du côté de Snake, la grab, il pixel perfect, faut faire attention aux apps du côté d'Axelent. On répond plutôt bien du côté de Vespa, on est en train de kite parfaitement, mais on prend pas mal de dégâts quand même. Ah, il avait envie, hein. Ça donne envie, mais c'est dur. C'est dur. Et la Vespa qui se retrouve dans une situation peu agréable, hein. T'as ta wave qui push, t'as plus d'HP. Est-ce qu'on la crash cette wave? Est-ce qu'on la prise? Je pense qu'on va juste on va juste end-check, on va la neutraliser, on va reset pour les deux Jolen. Crash sur la map, hein. T'avais le mid jungle qui était en train d'arriver. Et on va jouer le dragon. Très kick stack.
très très bon Drake à l'unité. On va le sécuriser tranquillement sans contestation possible du côté de Zeran. Ça va être repéré grâce au petit pigeon de Vespa, ce qui permettra potentiellement à Seki de répondre avec les votes Grubs bien sûr. Oh, attention, le Grub qui connecte encore une fois de plus. Dashin de la part d'Aedra, il va sécuriser le kill sur Vespa. Très très bien joué. Zaremba décidément qui est très très clutch sur ses tentatives de Q-spell. Ouais. Et qui punit un Vespa un petit peu trop confiant au niveau de la botlane parce qu'on aurait pu reset depuis un moment. Ouais, bah ouais, il avait flash barrière et il s'est laissé un petit peu surprendre parce qu'on essaie de trop bien faire. On grid, on reste trop longtemps. Mm-hmm. Et c'est qui va chercher la seule réponse qu'il est possible d'apporter vu l'état de la carte. C'est le cross-map sur les Void Grubs dans l'état. Mm-hmm. Et d'ailleurs, le jungle sup MHSC qui est en train de bouger ensemble vers le top cell, là, en sortie de base. Ouais, clairement. Essayer peut-être de contrer la tentative des 3 Void Grubs, mais ça va arriver un petit peu tard. C'est qui après il a pas de flash. Hein. C'est qui a pas de flash. Je pense qu'on va devoir délaisser le dernier Void Grubs. Kyo qui s'avance, il va plaquer contre le mur parfaitement. Kuronil, on va pouvoir répondre du côté d'Aedra. Flash out obligatoire de la part de Kuronil. Flashing d'Hydra qui va normalement sécuriser le kill avec son Buster Shot. Le revive de Renata ne suffira pas. Et Kyo récupérera le kill tranquillement. Très très bon fight du côté des MHSC encore une fois de plus. Là, on a un petit peu gris du côté de Kuronil. On a voulu assurer la retraite de Seki, mais malheureusement, il en a coûté le prix fort. Ça joue vraiment bien MHSC, hein. Ça joue vraiment très très bien sur la pression. On a vu pression bot avec la pression mid, on nivelle le blue buff directement, on force un fight rebush. Là, on a le temps de prendre le Drake, même de prendre un kill bot. Mm-hmm. On reset, on sprint sur les Void Grubs pour aller punir soit Seki, soit Kuro. Ah, regardez sur la carte. Hein. Personne, hein, c'est trop choquant, j'en veux pas. J'ai même pas envie de parler de ça. C'est trop choquant. Même pas envie d'ouvrir ce dossier. Kuro, il a pris les pots cassés, il arrive, il se fait plaquer contre le sol par un scanner. Non mais ouais, ouais. Tu le joues pas hein, ce champion. Non, jamais de ma vie je jouerai ça. Toi tu restes sur ta Camille, tu l'as c'est content. Ça, la petite Camille. Ouais. C'est qui sur la botlane, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à faire? Il y a les deux summoners de disponibles pour Accelent. Dive un Nautilus me paraît très audacieux. Il y a le mur de la tissue de Kuronil, il est disponible, mais on veut pas forcer du côté de Zeran. Hydra qui fait le déplacement, la flèche de cristal elle va connecter avec la poussée sismique, c'est pixel perfect. Attention, c'est qui peut potentiellement arriver. On n'a pas encore récupéré l'ultimate du côté de cette vaille. Non, Joko. Et le kill ne sera pas sécurisé. Zareb Balkus spell encore une fois le plus, on va laisser le kill. Ah, excellent. Et c'est Kuronil également qui va tomber sous les coups de Hydra. Oh, c'est dur. C'est dommage, on n'a pas été... On a été peut-être trop confiant, on n'a pas fait les bons focus côté des Zerans et il y avait des kills à aller chercher, ça se retourne complètement contre eux. Encore un abordage de la part de Zaremba, le Zap qui a touché sur les sbires mêlés. Oh, attention Zaremba. Le trade back. Zaremba qui va devoir flash out, ouais. Qui va devoir flash out sur ça. T'imagines si ça avait été un Braum? C'était kill. Ouais, c'était kill je pense, hein. Ouais. Bon, on va voir peut-être que plus tard dans la game, cette Renata va nous convaincre complètement. Ce qui est certain, c'est que pour le moment, MHSC sont complètement en confiance. On voit à quel point ça joue sur la pression, à quel point ça joue agressif, à quel point ils n'ont pas peur. Ils sont vraiment dans la zone et Joko en couverture sur sa botlane. Ouais, on puisse y voir. Et malheureusement, du côté de Seki, il risque d'être repéré. S'il avance encore une fois de plus dans ce bush, du côté de Joko, sans doute, bien sûr. Oh, il va être repéré, Seki. Slap les bot side, il est vu maintenant. Ah, c'est terrible. Et Joko qui reste dans le brouillard et qui va courir le dive. Flash in, on initie très bien du côté des Zaremba. Vespa qui trouve le flash out. Est-ce que c'est suffisant pour s'en sortir? La barrière, le heal de Snake. Est-ce que c'est suffisant encore une auto? Le flash in, et le turn instantané de la part de Seki qui s'interpose et qui couvre la retraite de son carry AD. Est-ce que c'est suffisant quand même pour que personne ne meure du côté des Zerans? Flash out de Seki, oui, on s'en sort sans perdre personne. Ça relève du miracle. Seki dans le rôle du héros. Seki a cancel une auto-attaque. Ouais, avec un R. C'est choquant. Pixel. Oh non. Oh, la faiblesse du chat. Heureusement, parce que ça aurait été vraiment dommage du côté de Zeran là-dessus. Après le magnifique place de Seki, qui s'est bien repositionné en plus avec son flash. On perd personne là-dessus. Mais bon, c'est quand même coûteux. 2K gold de retard du côté de Zeran. Côté des matchs, on est toujours aussi bien sûr. Et même au niveau de la top lane, mine de rien, on a du mal à snowball vraiment le match-up du côté de 12. Il n'y a pas un réel 16 lead du côté du top laner de Zerans. Ouais. Après Kyo, en plus, il a pris un kill. Mm-hmm. C'est son champion de fou, là. Donc forcément, Aatrox, il va lui falloir du temps pour vraiment commencer à impacter la game. Une game qui n'est pas facile hein, pour ce champion, je pense, hein, contre la draft adverse. Oui, clairement. 12, mon bro, tu peux peut-être faire de la magie. Régale-nous.
Mais on sait que t'es en mode difficile là. Il est en hardcore mode. Ah, dans la jungle, j'avais pas fait gaffe, mais il y a 36 d'avance pour Joko. Ouais. Kuro, oh. Il a pas de flash Kuro. Et il se fait aborder Kuro, il se fait hard focus, il n'y a pas les dégâts pour le tomber, l'intervention de Seki, on va trouver un jump out pour Hydra. Finalement les deux mid laners qui se font peut sortir de lane. Oh, et 12 qui prend le flash de Kyo. Ouais. Il était obligé de flash sur la tentative de Q3 de 12. Ouais. Et moi qui étais mauvaise langue, il m'a fait taire instantanément avec cette tentative, cette agression. Très solide de 12 encore une fois de plus. Et ça permet à Vespa de récupérer des plates mine de rien. Il récupère pas mal de gold avec les trois premiers vote grubs. Enfin non, il n'y en a eu que deux du coup. Mais il se régale, il se met plutôt bien. Qui est peut-être la porte de sortie de Zerance. C'est d'initier un comeback avec cette hache. On répondra aussi avec le Drake. On va voir. C'est pas la game de hache la plus simple non plus. Mm-hmm. Elle a pas été non plus particulièrement dominante en lane. Pour cause, hein, Axelon qui sort quand même de lane avec un kill, deux assists. Côté Zerance, on va quand même faire un bas sur ce dragon. Un petit dragon infernal. Ouais. Ça met bien. On crache pas dessus. Et on commence à envoyer Hydra en site pour MHSC. Oui. Avec Joko et Zaremba qui sont toujours en tandem. Joko qui passe. Les deux qui sont passés sur de la vision. Qui n'a pas de flash, hein. Qui n'a pas de flash. Mais toi, elle n'est pas en situation de lean apparemment. En capacité de chercher autre chose. En tout cas, il a un bon niveau d'avance. Oh, Zaremba, Q-Spec qui va pas passer. On va reculer. Zaremba, il fait vraiment une game de fou pour le moment. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Il est omniprésent. Il est hyper efficace sur ses graves. Ouais. Il est pertinent, il ne meurt pas. Et quand tu l'utilises, c'est pas toujours facile. C'est sûr. On va récupérer des plates sur les deux carry. Du côté de MHC, Kronil à la défense avec Vespa. Oh, beaucoup de pressure, hein. Vraiment, on s'installe tranquillement sur ce bot side du côté des MHC. On sait que bah, du côté de Zaremba, on est bien devant avec cette Zyra. On a du mal à répondre du côté de Zerance. Et on veut, j'ai l'impression, essayer de chercher encore une fois de plus quelque chose au niveau de ce bot side, mais on va tout simplement reculer. Et franchement, MHC joue vraiment bien, pour le coup. Ouais. Rien à dire. Franchement, c'est très convaincant, je suis d'accord. Ah ouais, non. Ouais, il y a Zaremba au rendez-vous qui flash in, qui met l'ultime directement sur un Vespa qui n'a pas son flash, qui n'a que sa barrière. Il y a une TP en plus. Bon, en plus Vespa, hein. Ah, Hydra, frérot. Stop, he's already dead. Alors, vraiment, il a TP dessus. C'était juste pour les dégâts psychologiques. Quoi. C'était pour l'éteindre. Ouais. Et il est vrai qu'il perd pas tant que ça parce que c'était une wave canon. Donc il a perdu les mêlées. Mais qui reste dans le cours de la game. Je suis étonné pourquoi on est avancé aussi loin du côté de Vespa. Il n'y avait pas de flash en plus. Il avait l'information qu'on était bien bot side du côté des matchs CC. Ce qui donne une première tour à Axelent en solo plate, solo gold. Là, le carry AD de MHC est sur orbite. Il devrait compléter normalement sa Kraken là-dessus. Ouais. Oh, là, il est Gucci, il n'y a aucun problème. Mm-hmm. Et surtout, on va pouvoir commencer à s'en servir pour aller chercher les T1 mid et top. Mm-hmm. Le Kraken, comme tu l'avais dit, un double Kraken. Spike, une Yandri également pour Joko. Et... Oh, c'est dur hein, du côté de Zerance. Hein. Je sais pas comment on va réussir à calmer ce temps de jeu du côté des MHC. Joko proactif, hein, toujours mm-hmm. à la pointe, toujours au rendez-vous, toujours en train d'accélérer la game. Là, on est directement sur le héros de la faille. Héros de la faille qu'on pourrait jouer rapidement, mid ou top aussi. Ça sent pas bon pour Zerance. Ça sent vraiment pas bon. Parce que là, l'early mid game, il risque d'être assez dur à tanker. En vue du nombre de spikes qu'on a du côté des MHC. On répond tout de même au niveau de la bot lane avec cette tourelle bot récupérée par Vespa en solitaire. Oh, on n'a pas vu? Non. Il y a un kill? Non. Non. C'est pas vrai. Non, non. Alors qu'il y a un fight sur le top side, c'est 12 qui se fait focus. Et on va finalement switch sur Seki qui tente de flash sur la plante mais qui se fait plaquer contre le mur par un Skarner assoiffé de sang. Et derrière ça, cancel les bases à la Mega Death Rocket. MHST toujours inspiré sur leur rotation, sur leur clic sur la carte. 7-0, une T1 top qui va sauter. Je parlais hein, de se servir de cette Jinx pour aller chercher les tourelles. Ouais. C'est ce qu'on est en train de faire. Et l'écart économique qui ne cesse de croître en faveur d'une équipe Montpellier-Rennes qui semble intouchable. Ex-Flashin, Zaremba, Vespa qui fait la spéciale malheureusement. Oh ouais, non. Il n'y a pas de TP d'Hydra cette fois. Oh, mais MHC, c'est un player classique, c'est choquant ce qu'ils sont en train de faire. Franchement, c'est. Ouais.
ça ressemble à une 13ème win. Hein. Ouais. S'il gagne encore cette game, demain dans le pré-show, je suis obligé de rajouter une porte au même. Hein. Mais je pense. J'ai pas le choix. Hein. Je vais être obligé. Porte au même. Bah oui. Hein. En vrai. J'aime bien le comique de répétition. Sinon, en vrai, c'est pas mal. Je suis facile à faire rire. Ah ouais, non, cette game est 125 minutes du côté des MHSC. Vraiment, je ne vois pas comment Zerans peut trouver un angle de comeback dans cette game. Peut-être avec 12 qui est mine de rien bien dans sa game. Ouais. Mais même. Bien dans sa game, 0-0-0. Mais comparé aux autres, effectivement, il est bien dans sa game. C'est dur. Hein. C'est vraiment compliqué du côté de Zerans. Et on renvoie Excellent top pour expédier cette wave mm-hmm. et ensuite créer le surnom sur la mid lane pour aller, j'imagine, invoquer un héros de la faille, prendre la dernière T1 et enchaîner sur le dragon. Tout est parfaitement huilé, hein, ça roule pour MHSC. C'est ça, pas grand chose. Je parle pas de Skarner. Je l'ai. Non, merci. Je suis désolé. Allez hop, la T1 comme prévu, elle est validée. Est-ce qu'on le fait charger sur la T2? On a un smite pour Seki. Non, ça suffira pas. J'allais dire, en plus, le seul moyen de Zerans qu'ils arrivent à handle un peu la game, c'était cette T1 mid. Et malheureusement, avec le héros de la fight, bah, y avait peu de solutions pour essayer de la défendre. C'était beaucoup trop compliqué. Et du coup, là, c'est T1 mid en plus. Ça va être dur. Ça va être très très dur. Bah, là c'est simple, il y a un grand rendez-vous, vu l'état de la game, hein, y a un grand rendez-vous qui est important, c'est le spawn du Baron Nashor, et c'est comment MHSC vont jouer. Voilà. Je pense que d'ici là, il n'y a pas de surprise qui devrait survenir. C'est ça. Maintenant sur le Baron Nashor, MHSC, ils ont une draft qui peut le faire très vite. Mm-hmm. Merci Zira, qui en plus a son Liandry, avec son R et ses plantes. C'est ça. Et t'as Enotilus et Skarner qui peuvent jouer le turn, il y a l'un ou l'autre qui peut tanker, et l'autre qui peut déclencher si les Zerans veulent défendre. Et voilà, hein, c'est là que ça va se jouer. Après, côté MHSC, ça se chauffe un peu. Là, ça va taper la T2 jusque sous les yeux des Zerans qui se laissent pas faire, qui vont quand même prendre un kill sur Zaremba. Attention à ne pas pêcher par excès de confiance. Hydra. Oh, le flash des pixels. Il est pixel, ce flash, au travers de la flèche de cristal. Hydra, oui. S'il vous plaît. Ah, ça joue, hein. Qu'est-ce qu'alors? Hydra est espagnol, hein, voilà. Je suis désolé. On va revoir. Regarde. Hop là. C'était bien joué. Même Vespa, il avait son flash, il a fait bon, ça rien. Je pouvais pas le dire autrement, c'était pas possible. Hein. Non, mais je comprends. Je comprends parfaitement. Bon. On a quoi? On a 5000 gold d'avance maintenant à 18 minutes. 1:30 avant le spawn du Nash. Et c'est tout ce que j'attends. Zaremba, il a son flash, y'a pas de problème. Ouais. Et comme tu l'as dit, ça va être un gros rendez-vous. Après, c'est un peu une chance sur trois. Mais si le Baron Nashor, c'est le chasseur, je crois, celui qui est dans le même pit que le héros de la faille, fait énormément de dégâts. Donc on peut potentiellement essayer de chercher un flank de 12 qui peut mettre des bons sweet spots pour essayer de récupérer un ou deux kills, un reset sur ce Aatrox qui peut dérouler sur le fight. Qui, comme je l'ai dit, mine de rien, il est bien dans sa game, pour le coup. C'est vrai. Pas tard d'avoir récupéré son deuxième item, il est devant le Skarner en termes de gold pur, donc en soi, c'est vraiment le personnage qu'il faut pour essayer de chercher un fight gagnant, même si ça semble extrêmement compliqué en vue de l'optimisation qu'a Axelente Hydra. Deux items, ça va pas être simple. Ouais, bah là, MHSC sont maîtres de la situation. On a en permanence les trois voix qui sont push à leur avantage. On commence à mettre de la vision partout dans la jungle deep, que ce soit top ou bot. Ils font ce qu'ils veulent. Ouais. Et 12, certes, il a des golds, il y a des items, mais il est squishy. Oh. Et d'ailleurs, il est dans le collimateur des joueurs MHSC. Il va devoir perdre son flash, la contre-gage avec le mur de la tisseuse. On tente de focus Joko qui va absorber cette poussée avec sa stase. Joko qui flash la flèche de cristal dans la foulée. On a investi beaucoup de CD importants pour Zerans. On en a utilisé pas mal quand même du côté des MHSC. Plus de flash sur Zaira, plus de stopwatch. Donc on peut essayer de chercher un reset, un kill sur Joko très rapidement au prochain fight qui va tarder à arriver normalement. Il y a Baron Nashor qui a spawn.
on fait un petit reset du côté de MHSC pour s'orienter tout simplement autour de ce Baron Nashor. Et comme tu l'avais si bien dit, il va très très vite. Donc du côté de Zerance, il faut faire un travail de vision très rapide. Posez au moins une petite ward quelque part pour spot la tentative de Baron Nashor des MHSC. Mais après, on a cette hache qui, voilà, avec ses pigeons, peut se permettre de... Les pigeons de Vespa qui vont peut-être être très importants là dans les minutes à venir. Puisque on l'a mentionné, mais ce timing 20 minutes, il peut être le timing de Montpellier pour enterrer la game. 4400 gold d'avance pour l'instant. C'est maintenant qu'on peut accélérer une bonne fois. On a une midwave à prendre pour Accelent et Hydra. Hydra qui pourrait même jouer bot. Hein. Ouais. Il pourrait même fake pressure le baron à 4. Et laisser de l'espace à Tristana sur la botlane. Clairement, bah, ce stade-là de la game avec deux items, je vois très mal une personne de Zerance essayer de gérer cette Tristana en side. Surtout qu'en plus, elle a les 4 Void Grubs, donc ça va très très vite la prise de tourelle. Même avec toi, ça risque d'être assez compliqué, mais j'ai l'impression qu'il t'écoute, puisqu'on voit Hydra qui est positionné au niveau de ce bot side. On a fait un bon travail de vision du côté des MHSC. On a quand même pas mal de ward quand même du côté de Zerance. On a l'information, tu fais que ce Baron Nashor il est pas du tout entamé par MHSC. Prennent leur temps hein, les Montpelliérains. Ils se savent mettre de la situation. Ils s'emballent pas. Oh oh. Hydra face à 12, il attend que les CD soient partis, il met la bombe. Il obtient un reset, tentative de turn de 12, mais c'est ce dont je parlais hein, Atrox dans Tristana. C'est dur de s'exprimer. Ouais. Que ce soit en duel ou en teamfight. Kyo, Kyo qui se fait Q spell in par Seki, Kuro qui met un peu de dégâts derrière. Attention, Skarner est presque mort, MDR. Il a perdu beaucoup d'HP là. Bah, bah là, il faut qu'il retourne à la base là. Il peut plus rien faire. Hein. Ojoko, la masterclass qui peut arriver. Le route qui connecte, le double route, il est super, mais l'ultime qui va linker, qui va projeter dans les airs les deux joueurs d'errance. Et c'est récupéré, reprise de volée de Kyo, contrôle de la poitrine qui fait une passe en arrière et Vespa va tomber dès les premières secondes de cette confrontation. Montpellier sont tout simplement impériaux sur la phase de jeu, même pas besoin de bait au Baron Nashor. On y va nature sur la mid lane. Ouais, clairement. Et on va tout simplement récupérer le Drake sous le point pour MHSC qui va être récupéré par Kyo, Accelente et Zaremba. On rase en plus de ça toute la jungle de Seki qui se prend 4 niveaux dans la jungle. Et pour le coup, bah ouais, ça va être compliqué. Hein. Très beau route du côté de Joko qui a très très bien joué avec le Fog. Bon flanc de sa part. Et ce qui permet mine de rien de poser un petit peu plus de vision du côté de Zerance autour de ce Baron Nashor. Faut se consoler comme on peut, bien sûr. Mais le route était vraiment, c'est magnifique ce qu'il vient de faire Joko. Il vient de faire de la magie. Malgré le flashing de... Mais tu sais qu'il me fume Joko, hein. Son premier gang bot, tu t'en souviens, il court, oui, il court sur la bot lane, il cherche même pas à se cacher. Et là pareil, il court mid et il route deux personnes. Mature, au cardio comme ça, sans flasher ni rien. Et il explose cette phase de jeu. Troisième Drake validé du coup pour MHSC. Et la tension continue d'être insoutenable pour Zerance autour de ce Baron Nashor hein, qui cherche à avoir l'information. Ils sont obligés d'investir la présence de 4 joueurs ici pour essayer de... s'assurer que Montpellier sont pas dessus. C'est ça. C'est leur seul angle de comeback hein, du côté de Zerance, essayer de récupérer ce Baron Nashor, leur donner un petit peu plus de gold. Par contre, faut faire attention du côté de Vespa. Il y a Joko encore une fois, puisqu'il va essayer de trouver un angle de route, mais ça ne va pas passer. L'ultimate qui met flash du côté de Vespa. On va utiliser l'ultimate du côté de Kouronil qui permet de temporiser un petit peu le fight. Dash in de Hydra là-dessus. On ne pourra pas prendre plus. Mais t'as vu comment il joue Joko? Il en a. Vraiment, j'aime trop ça. J'aime trop ça. Toi, elle va attention contre Kyo. On parvient à 10 engage. Et MHSC qui joue encore très très haut, qui catch les waves très très haut, qui donne toujours beaucoup d'espace à Hydra et sa Tristana sur la botlane. On va finir par faire tomber des T2 sans passer par la case Baron Nashor à ce rythme pour Montpellier. Ouais, clairement, il se précipite pas. Kyo. Oh, il va se faire cancel. Attention, on prend pas mal de dégâts quand même du côté de Kyo. Je rigole, bien sûr, on va utiliser la mise en demeure du côté de Seki pour trouver Joko, mais il est bien protégé. On va utiliser l'ultimate également du côté de Snake qui permet de temporiser, mais ça ne suffira pas. Axelen qui va sécuriser son premier kill. Un reset a été récupéré, on enchaîne directement sur cette T2. La wave a été récupérée, on peut s'orienter sur Baron Nashor comme tu l'as dit. Alors est-ce qu'ils le font ou est-ce qu'ils sont giga disciplinés, giga by the book et ça va juste jouer les camps, prendre le reset, jouer la tempo? Non, et Montpellier c'est une folie, hein. Ils sont en train de faire une démonstration de puissance. Il n'y a aucun flip, il laisse aucune chance de comeback à zéro. Ce sont des tueurs professionnels. Ouais, ou par contre, Kyo, c'est peut-être un petit alors, peu ouais, pas avancé. Ça, mais... Alors après. Non, quand ça même. Va, Skarner, on va abuser. Quand même. Parce que moi, il y avait un monde où ce Skarner faisait un pentakill. Peut-être. Oh, Joko oui oh, Joko le flash in, le double route, encore une fois. Kyo avait tout prévu.
Bien sûr, Kyo s'est fait mind control par Joko. Et la T2 dont je parlais, elle est là. On va la chercher pour Montpellier. Tu sais que le Baron Nashor, en fait, c'est juste pour finir la game. Récupérer les T3, inhibiteurs, T4. Parce qu'en soi, ils ont récupéré la quasi-totalité des T2 de la partie. Il leur manque plus que celle bot. On va reset tranquillement du côté des matchs SC. Se redéployer topside pour essayer de jouer le Baron Nashor, bien sûr. Et ouais, du coup, c'est. Mine de rien, je me sens un peu mal pour Zerance parce que. Franchement, les matchs SC, ils font tellement peu d'erreurs que du côté de Zerance, bah. T'as trop du mal de chercher un petit tank de combat et tu te fais juste asphyxier en boucle et... Ils ont pas de fenêtre. Ils ont pas de fenêtre. Il y a une Zera littéralement qui est en train de twerker devant eux sur la mid lane et c'est pas une fenêtre. C'est ça. Ils vont sur elle, ils meurent. Ils ont voulu l'exploiter avec ses kills ultimate, ça n'a pas suffi. Ah non, mais Joko est d'une insolence dans cette game. Après, Axel et Zarembas font un énorme travail aussi. Hydra, il a lâché un solo kill aussi mid. Le flash, enfin, franchement, en MHSC aujourd'hui, c'est... C'est très 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 beau. Ah, c'est lecture. Très très beau, ils reviennent en forme du diff 2D. Il y avait ce point d'interrogation aussi, hein, mais apparemment l'énergie est là, le focus est là. Et on enchaîne. 12 qui s'est un peu perdu. Les pyromasheurs qui ne vont pas proc. L'ultime par contre qui va être consommé pour un 12 qui va également consommer son flash qui se fait jump in par Hydra. 12, est-ce qu'il peut passer le mur? Est-ce qu'il a le temps? Bam. La réponse sera non, la dernière auto est partie. Et c'est un pick-up. Très bien fait, très bien fait. On a voulu récupérer ce gomp, malheureusement on était déjà en place du côté des matchs SC. On va pas du tout essayer de jouer ce Baron Nashor, on veut vraiment essayer de récupérer ces T2 sans celui-ci. Et on va se déployer avec la wave du côté de Kyo et Axelent et sécuriser ces T2 avec une contestation impossible du côté de Zerance bien sûr. Et allez, la T2, le Baron Nashor ça sert à rien, on siège, on y va côté Montpellier. Pour Zerance, est-ce qu'on peut avoir une fulgurance, est-ce qu'on peut... trouver une poussée de nulle part, Kuro qui se fait flash in, qui flash out, le bon réflexe. Attention, l'ultime de Joko, le jump in de Hydra, attention aux resets qui peuvent s'enchaîner sur une Tristana, sur une Jinx. Kyo qui drift et qui débloque la T3, la première pour MHSC. Ouais, je pense qu'on veut pas récupérer Baron Nashor du côté des MHSC, on veut finir ça, on va récupérer la T3. Attention, on prend pas mal de dégâts du côté de Vespa, la cleanse a été forcée du côté d'Axelent. On va trouver peut-être une poussée du côté de Kuroni malheureusement. Il ne connectera pas. Mais ils sont en train de nous faire une T1. Mais oui, vraiment. Ils sont en train de prendre les inhibiteurs sans Nashor. Ils ont vraiment pas besoin de Nashor. C'est une dinguerie. Ils ont vraiment pas besoin de Nashor. C'est une dinguerie. Moi j'étais là, ouais, à 20 minutes, ils veulent accélérer, il va falloir jouer le Nashor Dancing. Non. On est à 28 minutes, on est 8 minutes plus tard, il y a 10 000 gold d'avance et il y a deux inhibiteurs qui sont manquants à l'appel chez Zerance. Et on a une âme des océans qui va être verrouillée ici par Excellent. Tranquillement, et du côté de Zerance, on veut tenter le call du désespoir, le call du Baron Nashor. S'ils veulent pas le faire, et ben on va le commencer, mais malheureusement, bien protégé par Kyo, qui s'avance et qui peut potentiellement se faire catch par Seki, mais pas réussir à s'en sortir, bien sûr. Et ouais, c'est dur hein, pour Zerance, c'est tellement dur. Ouais, là, il va falloir répondre au danger des super sbires mis des bots. Tout en gardant si possible un œil sur le Baron Nashor. Mais là en vrai MHSC, est-ce qu'on le fait ce Nash? En vrai. Ouais ils ont... En star. On va à 5 top, on le laisse ce Baron Nashor. C'est bon, on a fait le plus dur. Vraiment, je pense qu'ils ont... Finissez la game sans. Et je pense qu'ils vont t'écouter, ils vont vraiment pas. Je te jure hein. Baron Nashor il se lava. Parce que mine de rien, la game est très longue, mais elle est en total contrôle du côté des MHSC et... Pour le coup, le Baron Nashor aurait permis d'accélérer beaucoup plus rapidement. Mais au final, pas besoin. Attention, tentative sur Snake qui va réussir à flash out. On va utiliser l'empalement du côté de Kyo qui prend pas mal de dégâts. Mega Destroy Cat qui va connecter. On met énormément de dégâts. Le reset de Jinx est totalement trouvé. On va sécuriser 2 kills. L'ultimate de 12 ne suffira pas. Axelen qui est en train de disrespect absolument tout le monde. Il est en train de taper sous les T4. Kyo qui s'avance, qui va plaquer contre le Nexus. Un Kuronil. En difficulté, triple kill du côté de Hydra. On va terminer la game sans Baron Nashor du côté de MHSC qui enchaîne sur la 13e victoire d'affilée. 13e victoire d'affilée pour MHSC en 30 minutes ici contre Zerance. Zerance dont je pense les chances de playoff ici sont officiellement enterrées par une équipe Montpellier-Rennes qui était au-dessus en tellement de points. On prend un Nexus avant de prendre un Baron Nashor pour MHSC. Hein. Vraiment, MHSC est dans... une très très grande forme, il faut le dire. 13e victoire d'affilée, on continue d'écrire
cette page de l'histoire de la Division 2. On va prendre une pause, on va revenir sur ce match qui était impressionnant. On vous dit à tout de suite.